Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'éliminer différents types de monstres du cube dans les détours. Alors tout d'abord, les détours, c'est tout simplement la grosse boule que vous voyez ici sur la map. Donc, par exemple, elle est apparue à Cornycrops, elle peut apparaître n'importe où sur la map, hein, dans n'importe quelle ville. Mais là, dans mon gameplay, elle est apparue à Cornycrops. Alors il y a une deuxième façon de trouver des détours, c'est les petites failles, les petites anomalies de détours qui sont représentées par des failles que vous voyez sur l'écran. Il y en a toujours par trois, donc il y en a une là, une ici et une que je vous ai montré juste avant. Donc c'est toujours, elles apparaissent toujours par trois. Donc s'il y en a un qui disparaît, elle réapparaîtra toujours autre part. Donc voilà, donc quand vous approchez de cette faille, en fait ça va créer un mini détour beaucoup plus petit que celui-ci. Mais il y a des monstres du cube qui spawneront dans ce détour aussi, dans les petites failles. Donc voilà, vous pouvez choisir soit d'aller dans la grosse faille ou soit dans les petites. Moi, je vous conseille quand même d'aller dans la grande faille parce que tout simplement, là, il y a vraiment beaucoup de zombies et plusieurs types de zombies. Parce qu'en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer trois types de monstres du cube différents. Donc trois zombies différents. Donc là, par exemple, ça, c'est un zombie. On va dire le zombie normal. Attendez, est-ce que je peux voir son nom? Je ne sais pas si je peux voir son nom. Ça n'a pas l'air. Mais bon, voilà, on va dire que ça, c'est un zombie normal. Ça, c'est un zombie de feu. Voilà, parce qu'il est rouge. Hein. Et normalement, il y a un zombie de poison aussi, que je vais chercher pour vous le montrer. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, bah, c'est d'éliminer un zombie de chaque. Donc, un zombie normal, un zombie poison et un zombie de feu. Après, il y a d'autres zombies un peu plus balèzes. On va dire les zombies boucliers. Eux aussi, c'est un type de monstre du cube que vous allez pouvoir aussi tuer. Donc là, je vois qu'il n'y a plus trop de zombies, donc je vais quand même le tuer celui-là pour voir si ça réapparaît. Ok, donc regardez, ça c'est un zombie poison. Voilà, il était marqué monstre empoisonné. Et ça c'est un gros zombie blindé, comme je vous avais dit là. Brute d'élite. Donc voilà, vous tuez soit une brute d'élite, soit un zombie de feu, soit un zombie poison comme je viens de le faire là à l'instant, soit un zombie normal, un zombie de feu, peu importe, mais vous devez tuer trois zombies différents, enfin trois monstres zombies différents dans la même partie. Je pense que vous n'êtes pas obligé de les tuer dans la même partie, mais voilà, en une seule game vous pouvez réaliser ce défi et débloquer toutes les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SwakuloMec et ciao, peace. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SwakuloMec et ciao, peace.